suis Souleymane Mamansani, promoteur de l'agence de communication Kakaki Multimédia. Et je fais partie de la première promotion de EDU, la Obama Court. J'ai un bachelor in business administration en project management. Et je suis passionné de l'art, je suis karatéka, j'aime la lecture aussi et un peu de la musique. Ce qui m'a le plus marqué à EDU, c'était la graduation. Parce que ça m'a fait penser en arrière en fait, vu comment j'étais venu à EDU, si brut si on peut le dire, j'avais que mon bac. Et là aujourd'hui, 5 ans après, me voilà en train de recevoir mon diplôme. Me voilà un entrepreneur accompli et qui a contribué à la réalisation de ces 6 grands événements. Puisque j'avais fait les stands du iLab et aussi d'autres prospectus des étudiants entrepreneurs. Bien avant Kakaki, j'étais dans une agence de communication que j'avais intégrée en tant qu'apprenti soudeur. Et d'apprenti soudeur, j'étais chef de travaux et après responsable commercial. Et vu que j'ai fait un peu le tour de l'agence de communication, je me suis décidé d'ouvrir une entreprise et gérer le truc à mon propre compte. C'était ça ma motivation, le début de Kakaki. Si aujourd'hui je suis un entrepreneur promoteur d'une agence de communication si réputée que Kakaki, je dirais que c'est grâce à EDU, puisque j'avais intégré cette école avec l'intention d'avoir juste ma licence et aller faire l'armée. Et après, EDU a aussi transformé mon rêve, EDU a aussi m'orienter et m'expliquer que mon potentiel sera mieux exploité dans le domaine entrepreneurial. Les activités non académiques m'ont beaucoup servi, et surtout avec les passages des guest speakers qui ont su nous exposer les problèmes auxquels ils ont fait face et nous montrer comment ils ont su surmonter ces problèmes. Donc tout ça, c'est des choses qui nous aident aujourd'hui dans la gestion de l'entreprise. Et par rappel, je faisais partie aussi du comité d'organisation des deux TEDx que EDU a su organiser, le TEDx VDF et le TEDx EDU. Et tout ça, c'est un plus qui me sert d'expérience dans ma gestion. L'une de mes conceptions qui me rend plus fier aujourd'hui, c'est la création du logo de la SOPAMI, la Société du patrimoine des mines du Niger. Voir ce logo représenter une si grande institution de renommée internationale me rend si fier. Pour tout jeune qui souhaite entreprendre dans le domaine de la communication, je ne peux que l'encourager et lui dire que le domaine de la communication est si rentable au Niger qu'on n'arrive pas à satisfaire la demande malgré les multitudes des agences de communication. Mais seulement, c'est pas facile, il faut qu'on s'y mette. On a l'habitude de bosser ici dans ce local jusqu'à 3h du matin et pour enchaîner le lendemain matin, continuer, tout ce qui va avec. Donc c'est pas facile, il y a du hard working, il faut beaucoup de courage, de positivité, il faut rester optimiste. Voilà. Je suis Souleymane de Kakaki, nous vous invitons à venir visiter notre agence de communication multimédia. Nous sommes situés sur le nouveau pavé de Dar es Salaam, c'est Kunzo.